Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un couple de Hollywood qui a décidé de se séparer. Il s'agit de Lisa Bonet, l'ancienne actrice du Cosby Show, que vous connaissez bien, et de l'acteur Jason Momoa qu'on ne présente plus, qui a joué dans des films tels que Aquaman, qui a joué Alerte à Malibu il y a très longtemps, et qui est un acteur de films d'action que tout le monde aime bien. Donc là, la nouvelle a été une surprise pour tout le monde parce qu'on se disait qu'ils étaient heureux ensemble. Ils sont ensemble depuis près de 16 ans. Ils sont mariés depuis seulement 4 ans. Ils ont deux enfants, deux beaux enfants. Et on se disait en fait qu'ils avaient compris le couple, qu'ils avaient trouvé la méthode du couple qui dure. Et ils nous ont présenté un couple comme un couple ouvert, un couple qui est très attaché à leur liberté, c'est-à-dire que chacun a sa vie indépendamment de l'autre. Et ils n'ont pas besoin d'être ensemble pour savoir qu'ils s'aiment. Ils ne se prennent pas la tête sur ce qui va tromper qui, ainsi de suite. En tout cas, c'est l'image qu'ils nous avaient présenté de leur couple. Donc normalement, avec des règles si laxistes et un couple si ouvert, on se dirait qu'ils resteraient à vie ensemble. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils ont décidé de se séparer. Apparemment, la décision est commune, ça vient des deux personnes. Il n'y a pas une troisième personne qui serait à la base de cette rupture. Ils sont juste arrivés au bout de leur histoire. Ils veulent voir autre chose. Ils veulent progresser indépendamment, c'est ce qu'ils ont dit. Ils veulent donner la liberté à chacun des deux de faire ce qu'ils veulent, d'apprendre et de grandir. Je reprends leurs mots. En fait, j'ai vraiment beaucoup été étonnée d'apprendre leur rupture. Sincèrement, ils forment un très beau couple. Lui, super beau, même si c'était ses derniers temps, son look cro-magnon ne me plaît pas trop. Enfin, je suis pas fan. Et elle, toujours aussi jolie, très mystérieuse, très jolie. Non, elle a toujours été très jolie, Lisa Bonet. En tout cas, on leur souhaite que du bonheur. On est sûr qu'ils vont trouver chaussures à leurs pieds, si bien sûr ils recherchent encore l'amour ou un partenaire dans la vie. Et voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.